tu m'as sauvé. Alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu fends la mer encore une fois, come on. Tu fends la mer et je peux la traverser. Me perce-moi et dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Disons-le tous, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu peux monter encore, alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Bénis Dieu. Bénis ta parole. Bénis ce séminaire qui débute aujourd'hui. Accorde-moi ton onction, ta parole, la liberté de l'esprit, que les âmes soient sauvées, que les vies soient changées, que ta connaissance soit communiquée, que les cœurs reviennent à toi, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que le baptême du Saint-Esprit soit accordé, que ton onction soit répandue pour l'évangélisation, qu'un puissant réveil soit déclenché à Goma, au Kivu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, pour toutes les précisions autour du livre, voyez le frère Sion qui est devant moi. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 4, verset 6 jusqu'à verset 8. Genèse 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Vous y êtes? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai enseigné beaucoup dans ma vie sur la sanctification. Et alors un jour, le Seigneur me dira, c'est très bien ce que tu fais, mais il faudrait que tu puisses donner les remèdes. Car si tu es un médecin qui révèle la maladie sans donner le produit, tu n'as rien fait. Oh, kangangara mayo. Laissez-moi parler. Merci. D'accord? Merci. Alors, si tu es un médecin qui révèle la maladie, mais sans donner le médicament, tu ne sers à rien. Et dire à quelqu'un, le péché c'est mal, le péché c'est mal, c'est bien, mais il faudrait lui révéler comment éviter le péché. C'est alors que Dieu m'avait révélé ce message et je l'avais apporté en termes de séminaire à l'église et il avait tellement béni les gens que j'en avais fait un livre qui est en train de bénir le monde entier. Je ne saurais pas dire tout ce que j'ai écrit, mais je veux dire l'essentiel des stratégies face à la tentation qui arrive des fois à être tenté en ce lieu. Levez bien la main. Si tu n'es pas tenté, tu n'es pas un humain. Alléluia. Amen. Tout humain connaît la tentation. Même Jésus-Christ a été tenté. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons des stratégies face à la tentation, c'est Genèse 4, verset 6 à 8 qui m'a ouvert les yeux.
Nous voyons l'une des premières tentations dans la parole. Nous connaissons la tentation d'Adam et Ève. Et nous n'avons pas vu comment Dieu a voulu les aider face à cela. Mais lorsque le diable est venu vers Caïn, afin de le pousser à tuer son propre frère, là quand même nous voyons Dieu intervenir pour le prévenir de la chute. Et il lui donne un principe. Il invite à un enseignement. Il lui donne une stratégie face à la tentation. Il lui enseigne même comment est-ce que le péché entre. Il enseigne à Caïn que le péché frappe à la porte. Il lui révèle que le péché ne s'impose pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu ressens le péché que tu dois pécher. Ce n'est pas parce que tu te sens attiré par le mal que tu dois commettre le mal. Ce n'est pas parce que tu es invité à une fête que tu dois aller manger. L'invitation peut être donnée, mais tu refuses d'aller. Et ainsi, il en est de la tentation. C'est une invitation, mais tu n'es pas obligé d'aller. Mais la plupart des temps, les gens pensent que lorsque tu es sollicité, tu es imposé, alors que la sollicitation est une chose et l'imposition est une autre chose. De la même manière que lorsqu'on t'invite à une fête, on ne te dit pas tu dois venir. De la même manière quand on te tente, on ne te dit pas tu dois pécher. C'est un choix. Si le péché n'était pas un choix, il n'y aurait pas l'enfer. L'enfer existe parce que le péché est un choix. Tu peux dire oui et tu peux dire non. Alléluia. Et chaque fois que tu pèches et tu tombes, ne dis pas c'était plus fort que moi, parce que Dieu révèle déjà à Caïn qu'il y a une sollicitation, mais tu peux dominer sur lui. Amen. Caïn pouvait dominer sur la sollicitation. Il n'était pas obligé de tuer son frère. Le choix de tuer son frère est venu de lui. Dieu ne lui a pas imposé cela. Et chaque fois que tu es tenté de quoi que ce soit, sache que c'est un choix. Tu peux le faire ou ne pas le faire. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'une stratégie? Car nous sommes là en train de parler des stratégies face à la tentation. La stratégie, c'est une sagesse, c'est-à-dire que pendant ce séminaire, Dieu va te donner une sagesse, une technique, une expérience. Ce sont les choses que tu dois faire pour ne pas tomber dans le péché. Alléluia. Dieu va te donner la sagesse. C'est un rendez-vous de sagesse, bien-aimé. Et si vous êtes venu que pour de l'exubérance, bien-aimé, vous vous trompez, Dieu va vous communiquer sa sagesse que vous pourriez utiliser en dehors de ce temple. Parce que la plupart des temps, nous ne sommes pas tentés à l'église, nous sommes tentés en dehors de l'église. Et là, tu sauras comment manier les armes de Dieu pour triompher de la tentation. Alléluia. Psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1. La Bible nous dit, psaume de David, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Alléluia. Dieu a formé David, il lui a donné des stratégies face dans la guerre, il a exercé ses doigts à la bataille afin de faire de lui un grand guerrier. Ce même David qui hier pouvait vaincre l'ours, vaincre le lion, a pu vaincre Goliath parce que dans le secret il était exercé. Amen. Et Dieu va t'exercer au combat, il va te donner des stratégies pour la bataille car la tentation est une bataille. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est une sollicitation vers le péché. Ce n'est pas une imposition, comme je l'ai dit. C'est une sollicitation. C'est une invitation vers le péché. La tentation, c'est le couloir qui mène au péché. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre à la légère la tentation. C'est un couloir qui mène vers le péché. Celui qui est tenté n'a pas encore péché, mais il est dans le couloir. Et tu peux sortir du couloir ou tu peux aller jusqu'au fond du couloir et finir par pécher. Alléluia. La tentation, c'est le commissionnaire de la mort spirituelle. Lorsque la mort spirituelle veut te tuer, t'atteindre, il y a un commissionnaire qu'on appelle la tentation. Lorsque le diable veut te tuer spirituellement,
il envoie un commissionnaire pour te donner cette mort spirituelle. C'est pourquoi ne prenez jamais à la légère la tentation. Je peux avoir une grande maison et je vais la vendre, mais moi-même je ne me déplace pas. Je place des personnes autour de ma maison, mais qui vont te conduire vers elle. Et lorsque le diable veut détruire ta vie, il a un commissionnaire appelé la tentation. Et frères et sœurs, faites très attention. Certains commissionnaires peuvent te diriger vers un château, mais d'autres peuvent te diriger vers une maison problématique. Et le commissionnaire tentation, lui, ne t'amènera jamais dans une bonne chose, seulement vers la mort. Amen. Il y a des gens qui disent que cette tentation est venue dans ma vie pour me briser. Dieu ne nous amène pas des tentations pour nous briser, il n'a que faire du péché pour nous transformer. Alléluia. Oui, il était tellement orgueilleux que Dieu l'a amené à pécher afin de le corriger. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. La tentation ne vient que pour te faire du mal et Dieu ne vient pas pour te tuer. Une autre chose, la tentation c'est un test du diable. Parce que c'est le diable qui nous tente, c'est lui qui essaye. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas rempli d'assurance. Quelle que soit la pression que tu ressens lorsque tu es tenté, sache ceci, celui qui te tente n'est pas rempli d'assurance, il essaye, il teste. Amen. Mais il ne te dira pas qu'il est en train d'essayer. Il va se comporter comme s'il est sûr, mais sache qu'il teste. Lorsqu'il est venu vers Jésus-Christ dans le désert, il a essayé. Il a essayé de le faire tomber et il essaye toujours. C'est un test, la tentation. C'est le travail favori du diable. Le diable est appelé tentateur, séducteur. Et lorsqu'il te tente, il le fait de tout son cœur. Il est heureux de tenter lorsque Satan tente. C'est son travail favori, c'est le tentateur. C'est ça son travail premier. Mais remarquez ceci, Dieu ne tente personne, mais c'est Satan. Car il y a des gens qui disent, je suis tenté par Dieu. Dieu ne tente personne, Dieu éprouve. La tentation vient nous détruire, mais l'épreuve vient nous rendre meilleurs. La tentation vient du malin qui vient te tuer, mais l'épreuve vient de Dieu. Jacques 1, versets 12 à 14, on peut m'améliorer le son, il est sec. Jacques 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable et vient de toi-même. Voici trois sources de tentation. Le diable. Le diable est le tentateur. La chair, toi-même. Car des fois, bien-aimés, nous ne sommes pas tentés par le diable. C'est nous-mêmes. Nous sommes amorcés vers le mal. Pour ceux qui ne savent pas, l'homme est capable de pécher sans le diable. Au commencement, le diable a amené le péché dans le monde. Mais après que l'homme ait péché, il a eu cette nature déchue. Une nature qui nous pousse vers le mal de manière naturelle. C'est ainsi qu'il n'y a pas l'école de l'égoïsme. Il n'y a pas une école où on enseigne aux enfants à être égoïste. Il n'y a pas une école où on enseigne aux enfants d'être orgueilleux. Un enfant, quand il s'habille bien, du coup, il change de démarche. Qui lui a pris l'orgueil? C'est notre nature. Alléluia. Tu donnes à un enfant l'argent et puis tu reviens, donne-moi. Il refuse. Qui nous a appris l'égoïsme? C'est en nous. Lorsque tu pèches, il y a le diable. Mais lorsque tu pèches, il y a aussi toi-même. Certains péchés ne proviennent que de nous-mêmes. Parce que l'homme, déjà, par sa naissance, tend vers la mort. C'est pourquoi nous faisons le mal naturellement. Et quand on nous demande de faire le bien, nous devons faire des efforts. Parce que naturellement, nous avons tendance à pécher. Alléluia. Des fois, lorsque tu pèches et tu accuses le diable, il dit « c'est pas moi ». Et c'est vrai, ce n'est pas toujours lui. Ce n'est pas toujours Satan qui nous pousse à pécher. Notre nature mauvaise nous pousse vers le mal. Notre convoitise, dit Jacques. Le diable nous tente. La chair nous tente. Mais aussi,
Les hommes mauvais nous tentent. Quelqu'un peut décider de te tenter. Quelqu'un peut décider de t'amener vers le mal. Les hommes charnels, les hommes méchants. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés dans l'église d'avoir des hommes et des femmes qui nous créent des problèmes. Ce sont des hommes charnels au milieu de nous. Oui, frères et sœurs, tu peux fuir le péché en dehors de l'église. Et tu viens dans l'église. Et là, tu es tenté. Et tu es très étonné. Oui, c'est possible. Lorsque quelqu'un, malgré qu'il vient à l'église, demeure un homme charnel, il sera une occasion de chute pour les personnes spirituelles. C'est pourquoi, bien-aimés, n'appelez pas homme spirituel quiconque chante et danse. Il y a des gens qui prient parmi nous, mais qui ne sont pas des hommes spirituels. C'est ainsi qu'on est étonné qu'il y ait des adultères à l'église. Une sœur qui sort avec un papa de l'église. Et on est très étonné. C'est un homme mauvais qui prie parmi nous. Quelqu'un qui vole les téléphones à l'église. Qui vole la Bible même. Des gens qui volent des Bibles à l'église. D'autres même qui volent dans les paniers des offrandes. Pendant qu'ils mettent, ils prennent. Mais il est à l'église. Alléluia. Et tu peux être là, quelqu'un est ici à l'église, il est en train de prier, de chanter avec nous. Mais après le culte, il te dit, « Oh, je t'aime bien, est-ce que tu peux sortir avec moi ?» Tu te dis, donc, comme c'est une tentation ecclésiastique, donc Dieu est pour. Non. Ah oui. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que le diable apporte la tentation, la chair amène la tentation, les hommes mauvais également apportent la tentation. Si on ne peut pas améliorer le son, comme donne même un autre micro. Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est tout ce qui est en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui est en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu, c'est le péché. Tout ce qui est en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché ? Le péché, c'est tout ce qui est en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas toujours l'impudicité. Amen. Il y a des gens, lorsqu'on parle du péché, ils disent l'impudicité. L'impudicité n'est pas le seul péché qui existe. Le péché, c'est tout ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Tout ce qui est en contradiction avec sa parole. Des fois même, le péché, ça peut être, au lieu que tu viennes à l'église, ben, tu décides d'aller à la retraite alors que Dieu t'a dit de venir écouter la parole, tu as péché. Alléluia. Le péché, c'est aussi des fois Dieu te dit ne mange pas, tu manges, tu as péché. Mais manger n'est pas un péché. Mais quand la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est de ne pas manger, tu as péché. C'est pourquoi lorsque nous mangeons pendant un jeûne, Dieu dit que tu as péché. Mais est-ce que manger c'est un péché ? Ça devient un péché parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Dieu te dit de rester à Goma, tu décides d'aller à Bukavu, tu as péché. Mais aller à Bukavu n'est pas un péché. Mais comme ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est un péché. Dieu te dit de tout arrêter pour le servir et toi tu continues à travailler dans une entreprise, tu as péché. Mais travailler n'est pas un péché. Mais comme ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu as péché. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui est en dehors de la volonté parfaite de Dieu est un péché. Alléluia. Tout ce qui nous sépare de Dieu est un péché. Un ami, une activité. Tout ce qui peut te séparer de Dieu est un péché. Et le péché, c'est la mort. Alléluia. Quand tu penses péché, pense mort. C'est l'un de mes secrets dans la sanctification. Lorsque je suis tenté, je dis, ah voilà la mort qui arrive. Voilà la mort qui arrive. Et comme personne n'aime la mort, je ne peux pécher. Pourquoi ? Parce que le péché pour moi, c'est la mort. Le péché. Ce n'est pas seulement le vol, l'occultisme. C'est tout mal. Tout mal. Alléluia. Voilà à présent le premier principe et la première stratégie face à la tentation. Écrivez cela. Il faut croire que c'est possible de vaincre la tentation. Alléluia. Pour vaincre la tentation, tu dois croire que c'est possible. Dans Genèse 4, versets 6 à 8, Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. Pourquoi ? Caïn pouvait dominer le péché. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église.
Les hommes ne croient plus en la sanctification. Ils croient qu'ils peuvent chasser les démons, mais ils ne croient pas qu'ils peuvent vaincre le péché. Alors même qu'il est chrétien, il s'attend un jour à abandonner Dieu. Alors qu'il est chrétien, il attend un jour qu'il va commettre une bêtise. Est-ce que tu crois que la présence de Jésus-Christ dans ta vie te donne la force de surmonter toute tentation? Tu dois le croire. Si lorsque tu regardes une tentation, tu dis que c'est trop fort, c'est trop difficile, frère, tu ne vas jamais y arriver. Car devant Dieu, il n'y a pas de grandes tentations. Toutes les tentations sont petites, tu peux dominer sur elles. La foi. Bien-aimés frères, avant d'exercer la discipline face à la tentation, tu dois exercer la foi. Car Dieu ne te donne pas d'abord les œuvres avant la foi. C'est la foi qui donne les œuvres. Tu dois avoir la foi que tu peux vaincre la tentation. Je crois qu'un chrétien peut vivre dans un pays rempli de pécheurs, des homosexuels, des impudiques, des ivrognes, mais il ne commet pas l'impudicité et il ne tombe pas dans l'ivrognerie. Alléluia. Et il ne force même pas parce qu'il a une nature divine qui lui donne la force de dominer. Est-ce que vous le croyez? Lorsque tu es tenté et tu commences déjà à trembler, tu tomberas. Car celui qui monte sur le ring en tremblant, déjà on sait qu'il a peur de l'adversaire. Jésus-Christ n'est pas allé dans le désert en tremblant. Il savait qu'il allait vaincre le diable. Il n'a pas dit, Saint-Esprit, arrête de me pousser vers le désert. Le diable va me tenter. Il est allé avec assurance parce qu'il savait qu'il allait le vaincre. Et tel il est, tel nous sommes. Des fois nous avons des problèmes à l'église. C'est que les gens qui ne croient pas en la victoire sur le péché communiquent leur incrédulité aux gens. Il arrive des fois à l'église, certaines vedettes viennent, certaines filles très très belles viennent me chercher. Et des fois il y a des gens qui tremblent. Pasteur, il y a telle femme qui te cherche. Mais oui, venez, qu'elle vienne au bureau. Oh non, il paraît qu'elle fait tomber les gens. Ben, elle fait tomber tout le monde, mais pas moi, parce que moi je suis différent. Alléluia. Oh non, attention, attention, la femme là, il paraît, elle fait tomber les gens. Bien aimés frères et sœurs, faire tomber les gens. Elle va me faire tomber de force. Elle va me faire tomber dans mon bureau. Je suis un fou. Frères et sœurs, vous nous devons arrêter dans l'église d'élever le péché. Il est possible de vivre dans la sainteté. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Je ne saurais pas abandonner ce mari d'autrui parce qu'il me nourrit. Tu peux arriver à abandonner ce mari d'autrui et si même tu vas mourir de faim, tu iras au ciel. Alléluia. Je ne peux résister face à l'argent. Je ne peux. Tu peux résister face à l'argent. Ce ne sont que des papiers avec des grosses têtes. Ce ne sont que des papiers avec des grosses têtes. Je ne peux résister face à l'orgueil archi faux. Il y a des gens qui sont très élevés et qui sont humbles et qui sont simples. C'est possible. Le fait que les gens ne croient pas à la victoire sur la tentation, lorsque Dieu commence à élever les gens, ils disent, il sera orgueilleux. Pourquoi? Parce que lui, s'il devenait un homme grand, il va devenir orgueilleux et il pense que tout le monde dans la grandeur sera orgueilleux comme il sera. Ainsi, nous avons dans l'église ce qu'on appelle l'orgueillomètre. Une machine qui consiste à tester l'orgueil des gens. Regardons maintenant le pasteur, comme il est en train de construire l'église, est-ce qu'il va devenir orgueilleux? Et que tout le monde regarde, regardez, il a changé la démarche, regardez, il a ceci. Frère, c'est parce que toi-même tu es orgueilleux que tu penses que tout le monde est orgueilleux. Tu es impudique, c'est pourquoi tu penses que tout le monde est impudique. Et si un homme cause avec une femme, tu penses qu'il la drague alors qu'il exhorte. Pourquoi tu penses que tout le monde est comme toi? Nous, lorsque nous sommes convertis, on nous amenait dans des retraites. Il y avait des frères et des sœurs, on dormait ensemble et on priait et on sortait sans tomber. Mais il y a des gens, s'ils dorment avec une femme, ils doivent tomber. Mais ce n'est pas tout le monde, vous savez, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Si toi tu trembles devant le péché, devant l'argent, il y a des gens qui ne tremblent pas devant l'argent. Tu peux lui donner $1 million, tu dis ça c'est pour tel, il va prendre $1 million et il va les donner sans toucher à un seul billet. Est-ce que vous croyez en cela? Lorsque dans l'église on ne croit plus
que quelqu'un peut vivre dans la sainteté, je vous assure, ce n'est plus l'église. Ce n'est plus l'église. Ou quand vous, quelqu'un vous prêche la sainteté, vous dites dans vos cœurs, et lui-même. C'est déjà un signe d'un manque de foi. Bien-aimé, je suis marié, ça fait 11 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme, ni dragué une autre femme, ni envoyé des SMS, ni des smileys, avec un cœur qui fait boubou-bou à une femme. Jamais. Jamais et de jamais. Et les gens disent, non, c'est parce que ta femme est belle. C'est vrai, j'ai une très très belle femme canon, mais ce n'est pas à cause de cela. Ouais, vous voyez, quand quelqu'un a la victoire sur le péché, au lieu qu'on dise que c'est le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu, c'est sa belle femme. Vous voyez, nous ne croyons pas à la puissance du Saint-Esprit capable de nous donner la victoire sur le péché. Lorsque Salomon a péché, n'est-ce pas qu'il avait des belles femmes? Ce n'est pas une belle femme qui peut t'empêcher de tomber, bien-aimé, parce que l'homme a l'esprit de goûter à tout. Si tu as une claire, tu cherches une noire, tu cherches une grande, une courte, une... C'est Dieu qui me donne la force de me contenter de ma femme. Ce n'est pas sa beauté, c'est Dieu. Alléluia. Tu dois croire que tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre le péché. Tu peux étudier sans tricher. Est-ce que vous croyez cela? Tu peux travailler sans tomber dans la corruption. Tu crois ça? Que tu peux te contenter de ton salaire? Oh, le oui a diminué. Que tu peux te contenter de ton salaire? Qu'on peut te proposer une affaire et tu trouves qu'elle est bizarre et tu refuses, tu peux? Et tu pourras. Tout est possible à celui qui? Rien n'est impossible à celui qui? Si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et elle se jette dans la mer. La tentation est une montagne et tu dois croire que tu peux la déplacer. Tu dois croire. Vous qui venez de vous convertir, vous devez croire. Parce que qu'est-ce qui arrive quand vous vous convertissez? Vos amis vous disent, on va voir, tu vas rentrer dans le monde et tu te convertis, tu dis, eh Seigneur, oh Dieu, je tomberai. Non, bien-aimé, tu ne tomberas pas. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, l'amènera à la perfection, va l'amener à la perfection. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées, il va le terminer. Nous avons souvent la foi dans la guérison, dans les miracles, mais pas la foi dans la sainteté. Lorsque j'ai commencé à prêcher ce message, plusieurs personnes m'ont dit, Marcelo, arrête de prêcher ça, c'est un message dangereux. Je dis, pourquoi? Mais parce que le jour que tu vas tomber, on va te le prêcher. Vous voyez ça? Même les prédicateurs ne croient pas que Dieu peut les garder debout. Ainsi, ils prêchent tout le temps la bénédiction et les miracles parce qu'ils ont peur que si tu prêches trop l'impudicité, le jour que tu tombes dans l'impudicité, on va te suspendre. Bien aimé, je prêcherai contre l'impudicité parce que je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Ah, quand tu dis ça, ah, quel courage, quel courage! Mais si quelqu'un dit, je ne tomberai jamais malade, quelle foi. Je ne manquerai jamais l'argent, quelle foi. Je ne tomberai jamais dans l'impudicité, quel courage. L'impudicité n'a pas échappé à la croix. L'impudicité n'a pas échappé à la croix. Jésus a crucifié aussi l'impudicité. Il est courageux, hein? Il est courageux. Il joue avec les femmes. Les femmes c'est quoi? C'est une tête, des mains et des pieds. Ah, donne-moi la main. Si quand je dis ça, ma soeur, tu es mal à l'aise, tu as un mauvais esprit. Tu as un mauvais esprit. Parce que c'est bizarre aussi dans les églises, quand un pasteur dit ça, ah pasteur, quoi, tu voulais avoir de l'effet? Il est possible de vaincre le péché. Tout péché. Même un péché, on te dit, si tu ne le commets pas, on te tue. Tu es capable de mourir. Les apôtres ont dit, jugez-vous-même à qui devons-nous obéir, à Dieu ou aux hommes. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi. C'est ça le christianisme. La Bible engendre de tels hommes. La Bible n'engendre pas des hommes faibles, bien-aimés, qui pêchent, qui tombent et qui demandent pardon comme si le sang de Jésus-Christ était une douche. Ce n'est pas le christianisme des secrétaires qui tout le temps. Oh, Mungu ni saidi, baba. Une voiture qui va tout le temps chez les quadons ne gagne jamais la course. Donne-moi la main que je parle. Maintenant, le son est devenu bien. Maintenant, je peux prêcher. Le son est devenu bien, je peux prêcher. Alléluia!
Si tu fais la course et tout le temps tu vas chez les quados, tout le temps chez les quados, c'est bon, ta voiture va rouler, mais tu seras guichot. Et si tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, pendant que toi tu dis Seigneur, pardonne-moi, nous on adore le Seigneur. Nous on est en train de grandir et d'avancer, d'avancer. Chaque samedi tu pêches, chaque samedi tu pêches. Même le diable t'attend, samedi tu vas pêcher. Tu seras dans les boîtes de nuit, l'impudicité, samedi. Et puis dimanche, tu penses que tu vas grandir dans l'onction? Dieu n'engendre pas des faibles, Dieu n'engendre pas des faibles, Dieu n'engendre pas des faibles. Sortez de ce christianisme-là où vous péchez en... Mungu ainurumie zambi ndafanya. C'est-à-dire que Dieu me pardonne le péché que je commettrai. Donc vous rechargez les unités du pardon en avance. Mungu ainurumie benyenda kufanya. Mungu ainurumie benyenda ku... Vous demandez à Dieu pardon pour des péchés que vous commettrez, la faiblesse. Tu dois avoir la foi que le fait que tu t'es converti, tu n'abandonneras jamais. Tu ne pécheras pas, tu ne tomberas pas. Je dis tu ne tomberas pas jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse. Pourquoi avons-nous la foi que dans ce qui est matériel, ce qui est financier, ce qui est démon, mais pas la foi dans notre sanctification? De sorte que quand tu pèches, tu dis, oh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé enfin. Comme si vous attendez un jour à tomber. Et l'Esprit de Dieu vient de me dire, vous qui êtes faible et qui êtes jaloux des gens forts, c'est de la sorcellerie ecclésiastique. Vous qui êtes faible, mais qui êtes jaloux de ceux qui sont debout, vous attendez la chute des autres, c'est un cœur de sorcellerie. C'est un cœur de sorcellerie. Comment tu peux être jaloux de la sanctification de quelqu'un? Toi aussi cherche Dieu. Pourquoi tu es jaloux du témoignage de quelqu'un? Mais cherche Dieu. Pendant que toi tu couches avec les femmes, lui ne couche pas avec les femmes. Pourquoi tu es jaloux de lui? Pendant que toi, tu voles à gauche et à droite, lui ne vole pas. Pourquoi tu es jaloux de lui? Et ça te fait le plaisir lorsque cette sœur vierge tombe. Ah, tu es content. Tu n'es pas différent d'un sorcier. C'est de la sorcellerie. De vous asseoir et de causer. Lorsque quelqu'un est tombé, là maintenant vous faites une réunion, vous causez, vous parlez toute la nuit, au lieu de pleurer, de prier. Ça c'est un cœur de sorcier. La foi. Tu dois croire que tu peux vaincre. Dieu, lorsqu'il regardait Caïn, il voyait un Caïn qui est en train de vaincre. Mais Caïn disait, comme je suis tenté, je dois le faire. Comme je suis tenté. Il y a des gens qui pensent que sentir, c'est faire. Non, je peux sentir sans faire. Alléluia. N'est-ce pas que tu peux avoir envie de te gratter, mais tu ne te grattes pas? Et tu peux avoir des mauvais désirs. Tu dis, je ne le fais pas. Et tu ne fais pas. Alléluia. Et tu ne fais pas. N'est-ce pas que lorsque nous jeûnons, des fois on a envie de manger. Est-ce qu'on mange? Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois faire. Ce n'est pas parce que ton corps te dérange que tu dois faire. Tu peux le dompter et le garder assujetti. Domine sur lui, dit la Bible. Domine sur lui. Tu peux dominer sur lui. Vous dominez trop les sorciers, mais vous tombez dans des impudicités, dans des vols et dans des mensonges. Dominez sur le péché. L'Église domine sur les sorciers, mais ils tombent devant les péchés. Comment allez-vous dominer les sorciers en tombant dans les péchés? Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Des chrétiens qui veulent avoir la victoire sur la sorcellerie, sur la magie, mais ils sont dans le mensonge, dans la corruption. Des deuxièmes femmes qui envoient le feu à la première femme. Ah oui! Et vous êtes pleines dans les églises, donnant beaucoup d'argent. Ton offrande ne change rien, tu dois donner ton cœur. Ton offrande ne change rien, tu dois donner ton cœur. Car vous voulez fermer la bouche des pasteurs par vos offrandes. Avant de dominer la sorcellerie et l'occultisme, il faut dominer le péché. Et tu peux, et tu dois le croire. Tu dois le croire. Et je t'assure, autant la foi permet de marcher sur l'eau, la foi permet de marcher sur le péché. Et
La foi te donne une nature divine qui te donne la capacité de manifester la sainteté sans effort. De sorte que tu te retrouves à la fin de la journée, tu n'as pas commis de péché et tu ne sais pas quand est-ce que tu t'es discipliné parce que c'est devenu une nature en toi. Quand est-ce que le poisson fait l'effort de nager? C'est naturel pour le poisson de nager. Et quand tu as la foi te donne la nature divine, vivre dans la sainteté devient une nature en toi que tu ne forces plus, mais que tu manifestes tous les jours de ta vie. Je vous assure que cela est possible. La Bible engendre de tels hommes. Voici à présent une autre manière de vaincre la tentation. Il faut te confier à une oreille attentive et discrète. Il faut avoir une poubelle. Dites poubelle. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Que Dieu me donne la capacité de dire ce que je dois dire. Lorsque tu es tenté, n'oublie jamais que tu es dans un corps. Car le combat de la main droite, c'est le combat de la main gauche. Alors que je tiens ce micro avec ma main gauche, lorsque ma main gauche va se fatiguer, ma main droite va prendre le relais. Il en est de même avec mes pieds. Un pied se pose et puis un autre se pose. Le corps s'entraide ainsi. Pareil aussi, lorsque nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Et ta tentation n'est pas ta tentation, c'est la tentation du corps. Et quand tu es tenté, voici un secret pour vaincre la tentation. En plus d'avoir la foi, tu dois en parler à quelqu'un. Tu dois en parler à quelqu'un. Dire, ça fait une semaine que je sens ceci. Ça fait une semaine que j'entends une voix qui me dit de faire ceci. Ça fait 2 mois que je sens tel désir et tel autre désir. Prie pour moi. C'est ça l'Église. L'Église doit revenir à la communion fraternelle, à la vraie communion fraternelle. Une communion fraternelle sans hypocrisie. Car l'hypocrisie nous empêche de vaincre la tentation. Dans l'hypocrisie, chacun veut paraître saint devant l'autre alors que nous savons que nous avons des défauts. Dans l'hypocrisie, lorsque ton frère te révèle qui il est vraiment, au lieu de l'honorer, de le respecter, dans le dos tu vas le critiquer. Il m'a dit qu'il sent ceci. Et le diable, connaissant la force de l'unité, et de la communion fraternelle, voici ce qu'il a fait. Il a divisé le corps du Christ. Il a créé dans l'Église des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne se respectent pas, des gens qui se saluent mais qui ne s'aiment pas de cœur. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsque le diable me tente et je sens le besoin qu'on prie pour moi, je regarde tel frère, il ne va plus me respecter. Tel frère, il va me juger. Tel frère, on ne cause pas. Tel frère, je ne l'aime pas. Tel frère, je ne le sens pas. Et dans le secret, le diable te tue. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé ses disciples 2 à 2 lorsqu'il les a envoyés en mission? Ce n'était pas seulement pour chasser les démons, c'était aussi dans la tentation qu'ils puissent en parler. L'Ecclésiaste dit, 2 valent mieux qu'un. As-tu un ami à qui tu peux tout dire? As-tu une amie à laquelle tu peux tout dire? Et je t'assure, si tu as une telle personne dans ta vie, tu es béni. Lorsque tu regardes dans une maison et tout est propre, sache qu'il y a une poubelle quelque part. Voyez, c'est beau ici. Je suis sûr, sans prophétie, il y a une poubelle. Toute propreté est provoquée par la présence d'une poubelle. Est-ce que tu as une poubelle? Tu as quelqu'un à qui tu dis tout? Ou tu luttes tout seul face à la tentation? Je t'assure que ce péché qui est en train de te faire tomber tous les jours, si seulement tu pouvais le dire à quelqu'un, sa puissance serait anéantie. Car en microbiologie, on parle des microbes anaérobie et aérobie, n'est-ce pas? Certains microbes ne supportent pas l'air. Ils peuvent être dans le sang, ils peuvent être dans l'eau, mais une fois que tu les amènes dans l'air, ils meurent. C'est ainsi beaucoup de tentations. Lorsque dans le secret tu te bats contre ce péché, il va te vaincre. Mais si tu l'exposes et tu en parles, tu le vaincras. Mais le problème, c'est qu'à l'Église,
Nous aimons trop nos titres, nous aimons trop les apparences. Et les gens viennent à l'église avec des masques. Des masques, c'est ça l'hypocrisie. Hypocrisie, ça veut dire porter de masques. On veut paraître saint, on veut paraître pur. Mais au-dedans de toi, tu pèches en secret. Tu as un péché chéri. Tu as une chose mauvaise dans ta vie. Et l'esprit te dit de le dire, mais tu ne le dis pas. Surtout vous qui êtes à côté des pasteurs. Souvent, c'est ce qui vous arrive. Beaucoup de gens qui sont à côté des pasteurs iront en enfer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes très attachés au respect que le pasteur vous donnera et la plupart des temps, vous ne vous révélez pas à lui tel qu'il vous êtes parce que vous avez peur de perdre des postes. Alléluia! C'est le bien d'être missionnaire, tu bombardes et tu pars. Alléluia! Ah, faites attention. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Moi, j'étais très proche de mon pasteur. Il me respectait, il m'appelait homme de feu, homme de ceci, homme de cela. Mais un jour, un prédicateur est venu dans notre église, il a dit des choses, j'étais dedans. Dedans. Et Dieu me dit, tu passes devant, et mon rang me dit, tu ne passes pas devant. Je devais choisir entre mon honneur et ma gloire et être en ordre avec Dieu. Bien-aimé, j'ai mis de côté mon orgueil et ma gloire, je suis passé devant. Les gens se sont moqués de moi, je m'en fous, mais Dieu m'a pardonné, m'a délivré. Et une fois, j'avais des luttes dans ma vie, je ne savais plus en sortir. J'ai lutté. Je suis allé chercher mon pasteur et quand je suis arrivé, déjà il m'a pris de haut. Tu vois, quand on te prend de haut, tu restes en haut. Toi, tu viens pour t'humilier, lui te prend de haut. Marcelo, qu'est-ce qu'il y a? Homme de feu. Je dis non, pas homme de feu aujourd'hui. Prie pour moi, j'ai tel et tel problème. Et il a prié pour moi et j'ai été libéré. Faites attention, vous qui aimez mériter l'honneur des hommes et des hommes de Dieu. Je peux dire que tu es un saint homme de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Le témoignage de Job ne venait pas des hommes, il venait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Pas qu'est-ce que ton pasteur dit de toi. Ton pasteur est un homme, il connaît, des fois il ne connaît pas. Mais Dieu te connaît. Mais des fois vous voulez paraître saint devant les hommes. C'est pourquoi vous ne vous mettez jamais en ordre. C'est pourquoi vous irez en enfer en train d'atteindre l'enfer sur des chaises d'église. Oui, il y a des gens qui attendent l'enfer sur des chaises d'église par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous tourmente? Jamais vous le direz. Mais vous direz seulement, ma femme a accouché. Ma femme a accouché. Dieu, si j'ai péché. Pasteur, j'ai eu un boulot, un nouveau boulot. Oui, tu as eu un nouveau boulot. Mais tu as aussi une nouvelle copine. Ça, tu n'as pas dit. Dans l'église primitive, quand c'était le moment de communion fraternelle, les gens confessaient les péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Bien-aimés, priez pour moi. Et quelqu'un s'agenouille. Frère, sœur, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le corps est fort face à lui. Maintenant, il divise le corps du Christ en des membres. Et ainsi, chacun dans son coin. Et lorsque nous nous battons contre lui, nous ne sommes pas forts, car un royaume divisé ne peut subsister. Celui qui a le don de guérison ou une grâce dans un domaine, tu ne t'entends pas avec lui. Et Satan te garde dans cette inimitié. Cette personne avec laquelle tu ne causes pas, elle a un don. Si elle prie pour toi, Dieu va agir. Mais Satan fait comme si pas vous entendre. Et vous aussi, à qui les gens se confient, faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un se confie en toi que tu es plus que lui. Il est plus humble que toi. Donne-moi la main que je parle. Ah oui, ce n'est pas parce que moi je te dis mes choses que toi tu es saint. Non, moi je suis plus humble que toi et je t'ai dit mes choses. Toi aussi tu as des choses, car tout le monde a des choses. Tout le monde a des choses. Certains. C'est la haine, il ne pardonne pas facilement. Lui n'est pas dans l'impudicité, mais motemo katsandoki. Alimbi sakate. Msusa kabakate. Akabakate. Donc soro senyo katsango bumaye. Neneko senganga. Neneko senganga. D'autres, kotonga. Mukiswele na kwa neneko sema sema inabanga.
Kusengenya. Kusema sema. Surtout ba swahili tuna sema kasana. Kutonga kutonga kusema kusema. Les Ivoiriens ont dit cette bouche là va te tuer. Chacun de nous a quelque chose. Et lorsque tu as la grâce de voir quelqu'un s'humilier devant de toi, tu n'es pas Dieu et tu ne savais même pas qu'il avait cette faiblesse, il s'humilie devant de toi. Frère, fais très attention. Si tu oses seulement le dire, Dieu va te frapper. Vous qui faites des cures d'âme, faites très attention. Vous savez pourquoi les gens ne se confient plus? C'est lorsqu'il se confie à gauche, il entend à droite. Il le dit à droite, il entend à gauche. Et d'autres l'échangent en prophétie, en parole de connaissance. Donne-moi la main, je vais te parler. Tu fais la cure d'âme à l'église. Si c'est toi qui fais la cure d'âme, ta femme ne fait pas la cure d'âme, tu ne dis rien à ta femme. Parce que si on voulait dire à ta femme, on allait vous dire vous deux. Moi, je viens te dire à toi, frère, j'ai telle faiblesse. Maintenant, après, quand tu rentres à la maison, tu vas dire, hé, on a dit le pasteur, Dieu va te frapper. Parce que je n'ai pas dit ça à ta femme. Et si Dieu avait choisi ta femme pour qu'on lui dise, on allait lui dire. Mais c'est que toi, tu peux garder le secret. Mais qu'est-ce qui arrive? On te dit à toi, tu dis à ta femme, et ta femme a des amis qui disent à leurs amis, et puis ça se répand dans l'église. La personne entend, elle quitte l'église ou elle décide, plus jamais dans ma vie je me confierai. Elle commence à mourir avec son péché. Quelqu'un jour a eu l'amour et l'humilité, la sincérité, quelque chose qui est rare, de te révéler sa vraie nature. Et au lieu que tu le respectes, que tu le caches, tu es en train de le dire partout. Ou si tu ne l'as pas dit dans ton cœur, tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé. Je vous assure, si nous pouvons nous aimer, dites amour. Au point de relever les autres, de cacher les choses. De cacher les choses. Les païens, tu vas voir un médecin, il soigne une autorité, il ne va pas le dire. Des avocats qui traitent des problèmes des grandes autorités, mais qui gardent le secret. Mais comment nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons garder les secrets des uns des autres? Toi qui dis partout les péchés des autres, si on disait tes péchés aussi. Si on les disait partout, si on annonçait à tout le monde ce que tu fais. Tu t'es confié quelque part, on t'a caché. Mais toi, si on vient vers toi, à la minute, à la seconde, tu vas prendre ton téléphone et tu vas téléphoner les gens. Pourquoi nous annonçons si facilement des mauvaises nouvelles? Là, tu ne vas pas manquer les unités. Tu auras les unités, tu vas même emprunter. Ha, 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 ha. Sanga. Un garçon un jour est venu me voir. Je le respectais, je l'honorais et il me fréquentait. Et ce jour-là, il a dit, pasteur, je dois te dire la vérité. J'ai un sérieux problème avec la masturbation. Je me masturbe 4 fois par jour. Il était possédé. Et quand il se masturbe, il pense à ses sœurs, à ses cousines. Et il commençait à maigrir, il commençait à échouer dans tout ce qu'il faisait. Il n'attrapait pas le boulot, si seulement tu le vois, tu sens qu'il manque de force. Il a dit, prie pour moi. Je veux arrêter cela, j'arrive pas. J'ai prié pour lui, il a été délivré, il a eu le travail et je crois qu'il s'est marié. Je ne citerai jamais le nom de ce garçon, jamais, jamais. Même si tu prends un fusil, tu me mets là. Je ne citerai jamais, j'irai dans ma tombe avec son secret. Pourquoi? C'est un grand. C'est un grand. La grandeur, c'est se s'humilier pour avoir la vie. Quand tu vas à l'hôpital, tu joues au grand? Qui joue au grand à l'hôpital? Docteur, oui. Ah, moi, tu ne me touches pas. Qui fait ça? Docteur, moi, pas de piqûre, hein? Pas de piqûre. L'opération, tu me touches pas. Qui fait ça? Dors là, tu dors. Enlève. Ferme les yeux. 6 heures du temps. Ils sont à 10 autour de toi, baba, là, yo pété. Bah, ta allô. Qui fait la grande? Pourquoi? Je vais être guéri. Même si vous me voyez, même si je m'en fous. Mais pourquoi dans le domaine spirituel, tu es orgueilleux?
Ça fait des années que tu luttes avec ce péché et tu n'en sors pas. Pourquoi tu ne dis pas que tu es lié par le lesbianisme? Pourquoi? Tu ne dis pas que tu es attiré par les femmes. Les gens pensent que tu es un mari de nuit et que tu n'aimes pas te marier alors que tu aimes les femmes. Tu ne l'as jamais dit. Pourquoi tu ne dis pas que tu es homosexuel? Pourquoi tu ne dis pas que tu es dans le fétiche, que tu es dans l'occultisme, que tu as fait un pacte, que si tu dis, on a dit qu'on va te tuer. Pourquoi tu ne dis pas que tu vis des choses? Il y a des gens ici qui vivent des choses terribles. D'autres qui sortent avec leur oncle, d'autres avec leur père, avec leur mère. Mais tu ne peux pas dire et tu caches des années. Et ici, tu joues. Quand tu vas te laver, tu finis le savon, mais tu ne te laves pas. Où va le savon? Tu sais toi-même. Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu ne dis pas que tu es lié par la masturbation? Que la nuit, tu te réveilles pour regarder des films pornographiques. Pourquoi tu ne dis pas ça, que tu es lié par la pornographie? Tu t'es battu seul, mais tu n'en sors toujours pas. Que tu n'arrives pas à résister devant l'argent. Si tu vois l'argent, tu dois voler. Tu dois voler. Et ça fait quoi? Cette main porte ce micro, porte et porte et porte et se fatigue. Elle a besoin de l'aide de l'autre main. L'autre main ne vient pas jusqu'à ce qu'elle attrape un problème, une maladie. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Nous sommes assis les uns à côté des autres, mais nous sommes loin des autres. Assis les uns à côté des autres, on ne se connaît pas, ni les noms, ni les adresses, ni rien, on ne se connaît pas. Nous avons aussi une grande église comme celle-ci, c'est ça la maladie des grandes églises. Vous devez travailler à vous connaître. Est-ce que tu as un ami dans cette église? Après le culte, tu n'as besoin de personne. Ah, j'aime pas de problème dans les églises. Si tu te mélanges, tu auras de problèmes. Tu sais pourquoi tu as peur des problèmes? Parce que tu es problématique. Ce sont les porcs-piques qui ont peur des porcs-piques. Moi, je cause avec personne. Quand on dit Amen, c'est comme si on t'a chassé. Sors, rentre à la maison. De telles personnes peuvent abandonner Dieu pendant 6 mois. Personne ne saura. Il peut disparaître même, personne ne sait, parce que personne ne le connaît. Mais quand tu es attaché au corps, quand tu disparais, mais le frère là, la sœur là, allez le suivre, allez le chercher. Ah, j'avais une faiblesse. Et on te relève. Soyez humble, soyez humble, soyez humble. Voici. Si l'ami que tu as, c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas tout dire, ce n'est pas ton ami, brisez votre amitié. Un ami, on lui dit tout. Ou tu le régresses au niveau des camarades et des connaissances, ce n'est pas ton ami. Un ami, on se révèle à lui tel qu'on est, on n'a pas peur. Et un ami te pousse à craindre Dieu et te relève quand tu tombes. Mais si tu as un ami qui t'encourage dans le péché, mais à qui tu ne peux pas tout dire, tu n'as pas d'ami. Car des fois, nous disons avoir des amis, on n'en a pas. Mais si tu as un ami à qui tu peux tout dire et qui t'aime, qui te respecte, qui te relève, tu es parmi les hommes les plus bénis de la terre. Je te dis, tu es parmi les hommes les plus bénis de la terre. Et si tu ne trouves pas des amis parmi les gens de ton âge, peut-être ça peut être ta mère et ton père. Amen. Car des fois, ils jouent le rôle des amis. Si tu as une maman à qui tu peux tout dire et qui relève, ma fille, ne fais pas ça dans ton foyer. Pourquoi tu as trompé ton mari? Ma fille, arrête cela. Et puis elle te cache, elle t'aide. Ça, c'est ton ami. Fais de ta maman ton ami. Et si tu as un père, tu as trompé ta femme et tu vas lui dire, dis non, ne fais pas, regarde-moi. Tu as un ami. Fais de ton père ton ami. Et si tu n'en trouves pas, fais du pasteur ton ami. Alléluia. Fais du pasteur ton ami. Et si nous sommes tellement chargés, même par WhatsApp, même par SMS, confiez-vous pour qu'on puisse vous aider. Qui t'aide? Qui t'aide? Bien-aimé, ne venez pas toujours vers nous dans votre état de force. Nous savons que vous n'êtes pas toujours fort. Nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons. Alléluia. Voici une autre chose. Il ne faut pas demeurer dans la culpabilité. Dites culpabilité. Pour vaincre le péché, il ne faut pas demeurer dans la culpabilité. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui croit cela? Qui croit vraiment cela? Voici.
Le diable est bizarre. Lorsqu'il veut te pousser vers le péché, voici comment il fonctionne. Il te dit que le péché, c'est rien du tout. Quand il te dit pêche, tu dis non, c'est le mal. Il dit non, mais ce n'est rien du tout. Tout le monde le fait, tout le monde le fait. Même les pasteurs là, ils le font. Il te dira ça. Est-ce que tu es le premier à le faire? Et quand tu as péché et tu demandes à Dieu pardon, il te dit, toi, tu commences à jouer avec Dieu. Tu pêches et puis tu demandes pardon, tu pêches. Tu penses que Dieu va te pardonner. Tu commences à exagérer. Et qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Comme tu as péché une fois, pêche encore deux fois. Et quand tu pêches deux fois, oh, mais pêche encore trois fois. Et quand tu fais trois fois, fais même un mois. Quand tu fais un mois, mais fais seulement une année. Et puis quand tu fais une année, bon, mais deviens professionnel de ce péché. Voici comment on fonctionne avec le péché. Quand tu tombes dans le péché, c'est comme la boue. Tu dois te relever rapidement et tu t'essuies et tu continues la route. Si tu ne le fais pas, tu vas rester dormir dedans. Voici. On nous dit souvent que craindre Dieu, ce n'est pas péché. C'est vrai. Et la maturité, ce n'est pas péché. C'est vrai. Mais sache aussi que la maturité, c'est savoir recevoir le pardon. Ça aussi, c'est la maturité. Il y a des gens ici. Vous péchez parce que Dieu vous a déjà pardonné, mais vous ne croyez pas. Parce que l'ennemi est venu vous dire que Dieu ne vous a pas pardonné. Est-ce que Dieu l'a établi comme ambassadeur pour que tu croyes en lui? Pourquoi chaque fois que tu entends même une parole sur la sainteté, tu confesses un péché que Dieu a déjà pardonné? C'est parce que tu ne crois pas. Il y a des gens qui pleurent dans leur prière. Tu penses que c'est l'onction, c'est la culpabilité. Ça fait 10 ans que tu as avorté. Mais chaque fois que tu pries, tu pleures. Oh Dieu, pardonne-moi d'avoir tué. Pourquoi tu le fais? Dieu t'a pardonné, Dieu ne le sait plus. Chaque fois que tu confesses un péché que Dieu a pardonné, tu es en train d'énerver Dieu. Tu énerves Dieu. Quand tu pèches et Dieu te pardonne, tu dois croire et tu dois le louer. Tu ne dois plus revenir vers un péché que Dieu a oublié. Et voici, si même un prophète de Dieu vient dans l'église et il prophétise sur ton péché que tu as commis, que Dieu a pardonné, ne te lève pas parce que Dieu ne le sait pas. Il n'a pas prophétisé par l'esprit de Dieu, il a prophétisé par l'esprit de condamnation parce que Dieu ne sait pas comment il va te révéler mon péché qu'il ne sait plus. Tu avortes, ça fait un mois, et tu demandes à Dieu pardon, et vraiment tu es repenti. Et je viens ici, il y a quelqu'un qui a avorté il y a un mois. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Viens ici. Ne viens pas. Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Parce que Dieu a oublié. Mais pourquoi tu as ce problème? Lorsque ta vie ne marche pas bien, tu vas toujours déterrer tes anciens péchés et dire à Dieu, pardonne-moi, je n'ai pas d'enfant parce que j'ai avorté. Non, ce n'est pas parce que tu as avorté, c'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu t'a pardonné. Écoutez ceci. Mentir, c'est un péché? Avoir une mauvaise pensée, c'est un péché? Tous sont péchés au même moment, au même niveau? Avoir une mauvaise pensée, c'est un péché? Tuer, c'est un péché? Quand Dieu pardonne le meurtre et la mauvaise pensée, il fait plus d'efforts pour le meurtre que la mauvaise pensée? Mais pourquoi quand tu commets un meurtre, tu ne crois pas facilement? Mais si tu commets une mauvaise pensée, tu crois facilement. Tu as un problème, tu ne sais pas saisir la grâce de Dieu. Donne-moi l'amen. Amen. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, on ne va même pas en retraite pour être pardonné? On ne fait même pas un jeûne pour être pardonné? Le sang de Jésus-Christ suffit. Quand tu vas sur des montagnes pour être pardonné, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu dois croire au sang de Jésus-Christ. Quand tu vas dans des jeûnes et prières pour être pardonné, ce n'est pas la nouvelle alliance. Tu dois croire au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive? Le diable te maintient dans la culpabilité pour te dire quoi? Tu n'es pas en contact avec Dieu. Persévère dans le péché. Mais tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Souvent, les personnes qui vivent dans la sainteté ont du mal à croire au pardon de Dieu. Ce qui est bizarre. Lorsqu'un homme pendant des années a vécu dans la crainte de Dieu et a toujours dominé le péché, s'il lui arrive de tomber, la plupart de ces hommes-là ne croient pas que Dieu leur a pardonné. Vous savez pourquoi? Parce que vous croyez que votre propre justice vous sauvera. Je connais des sœurs qui jusqu'à l'âge de 30 ans se sont gardées vierges
Et puis un jour, trompée par un homme, elles sont tombées. Tu vois, cette sœur continue à pleurer toute sa vie alors que Dieu a pardonné. Pourquoi? Comment moi je peux faire ça? Comment moi je peux faire ça? Tu l'as déjà fait. Amen, hein? Comment moi je peux faire? Tu l'as déjà fait. Passe à autre chose. Reçois le pardon de Dieu et continue ta course. Je connais un grand prédicateur qui a prêché la sainteté et qui est tombé dans le péché. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à croire que Dieu lui a pardonné. Jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'on lui pose des questions, « Pasteur, comment tu avais fait ça ?» Il commence à pleurer. Moi, je ne peux même pas recevoir de tels journalistes. Pourquoi ? Dieu a oublié. Pourquoi vous voulez faire une interview de ce que Dieu a oublié ? Ce n'est pas que je t'encourage d'aller dans le péché, mais tu dois comprendre comment la grâce de Dieu fonctionne. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Même si l'église ne pardonne pas, même si l'église n'oublie jamais, Dieu oublie. Amen. Hein? Dieu, dans le domaine du pardon, devient amnésique. De sorte que quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il dit, oh quoi? Pardonne-moi les péchés d'hier. Hier, tu as fait quelque chose. Est-ce que vous croyez cela? Mais alors, pourquoi depuis que tu as péché, tu as perdu l'assurance? Si tu croyais que Dieu t'avait pardonné, tu devais avoir l'assurance. Tu as perdu l'assurance parce que tu ne crois pas. Tu as la culpabilité alors que Dieu a déjà effacé. Un homme était un voleur et il allait dans des maisons afin de prendre de l'argent. Et ce jour-là, lorsqu'il va dans une maison, il trouve une femme et il lui demande de l'argent. La femme lui dit, j'ai pas d'argent. Et c'était vrai, cette femme n'avait pas d'argent. Et il menace la femme, donne-moi l'argent et donne-moi l'argent. Et qu'est-ce qu'il prend ? Il prend l'enfant, il le met dans un mortier. Et puis il dit, tu me donnes l'argent, sinon je pile la tête de l'enfant. La femme dit, j'ai pas d'argent. Et il a commencé à piler la tête de l'enfant. Cet homme est devenu serviteur de Dieu. Et on remarquait, quand on disait jeune de 7 jours, il faisait 14. Si on dit 14, 21, 21, 30. Et un jour, il est tombé malade et on lui a posé la question, pourquoi tu fais tout ça? Les gens pensaient que c'était le zèle ou une dimension spirituelle. Et il a dit, quand j'étais païen, j'ai pilé la tête d'un enfant parce que sa mère ne m'avait pas donné de l'argent. Chaque fois que je prie, je revois cette image. C'est pourquoi je jeûne beaucoup pour que Dieu me pardonne. Ce n'était pas Dieu, c'était lui-même. Et il y a des gens ici. Vous faites beaucoup de sacrifices, nous pensons que c'est le zèle. Alors que ce n'est pas le zèle, c'est la culpabilité parce que vous voulez mériter le pardon de Dieu. Dieu vous a déjà pardonné en Jésus. Le sang de Jésus-Christ a déjà coulé et cela vous suffit. Toute bonne œuvre que vous voulez ajouter au-dessus, c'est la loi et la loi et la chair. Dieu n'a que faire de cela. Vous devez vous accaparer le pardon de Dieu par la foi et croire que c'est passé et c'est réellement passé. Ton problème, c'est que tu veux ressentir le pardon de Dieu alors que le pardon de Dieu s'acquiert par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu t'a pardonné. Tu as besoin de croire que Dieu t'a pardonné. Parce que quand tu pèches, il y a des émotions de culpabilité qui viennent. Que ça continue ou pas, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Alléluia. Le jour-là, qu'un homme de Dieu est venu dans notre église prêcher et qu'il a parlé d'un péché, je me suis retrouvé dedans. Et on voulait que je puisse chasser les démons parce que j'étais intercesseur. On dit, Marcelo, viens chasser les démons. J'ai dit non, je suis concerné par le message de l'homme de Dieu. Et je suis allé devant moi-même. Et on a prié pour moi. Et j'ai demandé à Dieu pardon. Et puis je suis allé dans la permanence. J'ai dit, donnez-moi les démoniaques là, je vais chasser les démons. Pourquoi? Dieu m'a pardonné à l'instant. À l'instant, me pardonne, à l'instant, je chasse. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Quand on était des enfants, tu veux manger rapidement sans te laver les mains. Et tu veux toucher la nourriture. Papa dit, hey, lave les mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite laver les mains. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, tu reviens pas. 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 Pourquoi tu reviens? Parce que tu as déjà lavé les mains. Bien-aimé, de la même manière, lorsque tu pèches, tu dois te repentir. Mais après t'être repenti, tu dois croire que le sang de Jésus t'a lavé. Reviens sur la table. Reviens sur la table. Mange sur la table. Danse et chante à l'église. Des fois, la culpabilité détruit même la louange et l'adoration à l'église. Les choristes entonnent. Bon, ne chantez pas. Pourquoi? Culpabilité du péché. Dansez. Diana. Jana, Juzi, Juzi, Jana, Juzi.
Surtout le dimanche. Pourquoi les cultes du dimanche sont froids? Les gens samedi viennent de chez Temba, ils viennent de chez ceci, ils viennent de chez cela, ils viennent de chez cela. Donne-moi la main. La culpabilité véritable, c'est celle-ci. C'est lorsque ta repentance est fausse. C'est lorsque tu dis à Dieu que tu as péché, pour que seulement il te pardonne, mais pour que tu continues aussi. Là, il va te culpabiliser, car certains, leur repentance est fausse, ce n'est qu'une information. Donne-moi la main, je vais te parler. Amen. Tu vis avec un mari d'autrui, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je vis dans l'adultère. Et tu prends cette parole, tu dis, ah, moi j'ai la joie, je l'ai dit à Dieu. Archifaux, toi tu dois aller chercher ce mari-là, tu le dis, c'est fini, il part, et il prend ses biens, et tu restes comme ça, c'est quand Dieu te pardonne. Quand tu as volé, tu dois rendre. Tu ne peux pas demander à Dieu pardon, mais tu as mon ordinateur à la maison, et puis tu dis, la joie du pardon. Non, 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 tu prends l'ordinateur, tu me rends, et puis tu as la joie du pardon. Alléluia, parce que des fois aussi, nous avons la culpabilité parce que notre confession est fausse. Là, c'est une culpabilité qui a des raisons d'être. Je te fais du mal, mon frère, je t'insulte, et puis je suis culpabilisé, et puis je demande à Dieu pardon. Dieu ne dit pas ça. Tu dois aller vers le frère, lui dire, frère, pardonne-moi, tu es beau. J'avais dit, tu n'étais pas beau, pardonne-moi, là Dieu me pardonne. Marie, alléluia, samedi on a rendez-vous. Toi et ta femme, vous vous chamaillez, vous vous insultez. Et toi, à gauche de l'église, l'autre à droite, et toi tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Elle te boude, elle attend que tu viennes lui demander pardon parce que tu l'as insultée. Elle, son père, sa mère, Dieu ne te pardonne pas. Tu dois présenter des excuses à ta femme. Même si elle est fâchée, moi c'est ma communion avec Dieu. Jésus-Christ n'a pas rétabli que notre communion avec Dieu, mais aussi avec les hommes, parce que la croix touche le ciel et touche les hommes. Jésus est mort sur une croix verticale et horizontale. Si tu veux vaincre la culpabilité, tu dois accepter de faire une repentance qui est totale. Si tu as volé, tu dois rendre. Si tu as le mari d'autrui, tu dois rendre. Je bénis Dieu. Une femme un jour m'a écouté prêcher. Elle est allée en Europe avec des faux documents. Elle a décidé de rentrer au Congo. Boulaya, Boulaya, Niroudi et Goma. J'ai dit, quand tu mens, et tu as menti pour avoir des faux documents et un faux nom, et tu as menti qu'on va te tuer alors que tu n'es même pas dans ces choses-là, tu dois te repentir et rentrer au Congo. Elle est rentrée. Une autre, j'avais dit, si ton diplôme est faux, tu l'as acheté, tu dois aller refaire parce que c'est un faux diplôme. Elle a repris. Oui, Seigneur, pardonne-moi, mais ton diplôme, tu l'as acheté, tu dois reprendre la cinquième. Oui, mais oui, tu dois reprendre la cinquième, parce que ton diplôme n'est pas ton diplôme. C'est ça l'évangile. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, il a fait quoi? Il a rendu tout ce qu'il avait volé. Dans la repentance, il y a la restitution. La restitution des choses, des biens, des diplômes et des papiers. Et des maris et des femmes d'autrui. Des voitures d'autrui, des parcelles d'autrui, des parcelles d'autrui, des parcelles d'autrui. Des parcelles d'autrui. Tu te répands d'avoir pris la parcelle d'autrui, tu vas la rendre. Même si elle a coûté des millions. Vous ne m'aimez pas. Dieu m'a envoyé vers vous afin que vous puissiez vous mettre en ordre parce qu'il revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là et vous devez vous sanctifier. C'est pourquoi pendant ce séminaire, vous devez prendre des décisions. Vous ne devez pas seulement vous plaire à écouter, à battre les mains et à dire il a bien prêché. Le réveil arrive lorsque au-delà des quatre murs de l'église, des décisions sont prises et il y a des bouleversements dans les maisons, dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités. Et là, il y aura des fruits qui vont durer. Et Dieu fera des miracles, il va guérir, il va changer les vies. Mais si nous nous mettons en ordre, que Dieu vous bénisse abondamment.
Avant de prier, j'aimerais vous dire ceci, que tout ce que j'ai dit est impossible sans avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, tu ne sauras pas te sanctifier. Si tu n'as pas Jésus, tu ne sauras pas fuir le péché. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras mettre ta vie en ordre avec Dieu. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Seul Jésus-Christ est capable d'aider un homme à vivre dans la sainteté, dans la pureté et dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, vous qui ce soir voulez vraiment, réellement, donner vos vies à Jésus-Christ, partout où vous êtes, je vous prie de vous tenir debout et nous allons prier. We've all in nothing. We've all.